Reproduire sur Jeux Bras, le terrain de football à l'échelle 1 millième. Bien, donc on va tracer sur GeoGebra à l'échelle 1 millième. Donc l'échelle 1 millième, ça veut dire 1 cm va être égal à 10 mètres en réalité. Et donc on va reproduire ce terrain de foot sur GeoGebra. Donc on va tracer d'abord la longueur du terrain. Donc zéro zéro zéro, on va tracer à zéro zéro, on va tracer des points et après on va les effacer. Donc la longueur du terrain c'est 120 mètres, donc 12 cm, donc 12 zéro. Et la largeur, ça va être 90 mètres, donc 9, donc 12, 9, D, 0, 9. Donc on peut faire un polygone, un BC, donc un BCD. Alors ensuite, le rond central, donc on va pouvoir tracer le segment. Donc segment. Donc la ligne centrale, ça va être donc 6, 0 et 6, 9. Donc voilà la ligne centrale. Donc le cercle O. Donc O va se trouver à 6, 4,5. Voilà. Cercle de centre O et de rayon. Donc là, c'est le rond central O. Donc le diamètre est de 18,3 mètres. Donc 0,915 cm. Voilà. Donc voilà pour le problème. La première partie de la figure. On va mettre quelques couleurs en vert. On va mettre en vert le quadrilatère. Voilà. Et on va mettre l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan. Couleur de l'arrière-plan. On va mettre en vert. Voilà les segments. Tous les segments vont être en blanc. Conique blanc. Et le style des segments, donc épaisseur 7. Voilà. Donc là, on voit déjà tracé. Alors attendez. Donc, on va tracer donc maintenant les buts, donc les lignes de les surfaces de réparation. Donc on va tracer le milieu, donc I milieu de donc AD et J milieu centre de BC. Donc on va avoir deux points, ici et ici. Donc le but, donc ça va être 7,32 m. Donc 7,32 m, on va noter va récupérer donc l'abscisse. Donc là on va être 0, l'abscisse de XI, donc l'abscisse de I du point I, YI plus 0,366.
Y, I, on était F, donc E, 0, Y, I, plus 0,366. Voilà, J, F, 0, Y, I. Moins 0,366. Voilà. Donc, EF, segment EF. Voilà, donc ça c'est l'embut. Ensuite, le premier rectangle va mesurer 18,32 mètres, donc 1,832 centimètres. Donc à partir de I, hop, donc H comme ça et G. Voilà. Donc on a les deux points G et H. Donc maintenant on peut tracer K, donc la longueur du premier, la largeur du premier carré c'est 0,55, donc K ça va être égal à XH plus 0,55 YH. Là K H K L, donc pareil pour L, là on va prendre XL E, donc XG YG L, segment GL, segment LK. Donc segment LK et segment HK. Voilà, pour régler les segments. Alors ensuite, on va prendre donc le plus grand, donc le grand rectangle, le deuxième rectangle ici. Donc ça va être longueur 40,32 mètres, largeur 16,5 mètres. Donc longueur 4,032 cm, largeur 1,65 cm. M, donc on va mettre 0 xi. Moins, donc M, 0, Y, I, moins 0, 2,016, pareil, N, Y, I, plus. Donc, P, on va mettre, donc, X, M, plus, est égal à xm plus 1,68 ym. Donc xm, donc p va être ici et q ça va être xn plus 1,68 YN. Alors c'est pas 1,68 mais plutôt 1,65. Donc 1,65 et 1,65. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir tracer les segments. Segment NQ. Segment Q
QP, segment MP. On va pouvoir mettre tous ces segments blancs. Voilà. Alors maintenant, pour ce petit rond, le petit rond ici, on va déplacer L sur ce segment-là, M, EK sur ce segment-là, et on va faire un arc de cercle. R, ça va être donc XL plus, donc alors 16,5 moins 5,5, on a donc 11,5, donc 1, donc R, ça va être XL plus 1,1 YL, donc 1,1, voilà, et S, ça va être X, donc XK plus 1,1 YK. On a donc, on va donc tracer l'arc de cercle. Alors, I. Donc voilà, donc l'arc de cercle. P. P. Couleur blanche. Style 7. Voilà. Donc on va pouvoir supprimer tous les points. Voilà. On va enlever l'axe. Voilà. On va pouvoir même segment conique. Voilà. Et maintenant, il reste à faire la symétrie d'axe, l'axe médiane du terrain. Donc. Vous voyez petit à petit que le terrain se construit. Voilà. Ici aussi. On va peut-être mettre l'embut. Alors l'embut c'était F et E. Donc EF. Donc le segment EF. Voilà, on a donc un segment ici qu'on va pouvoir N, et là c'est l'axe F, donc symétrie N, N par rapport à F. Voilà, on a donc l'embut ici. Alors pour, on va la mettre en orange. Voilà. Et on va, pour finir, enlever les étiquettes et des points en trop. Donc notre terrain ressemble à ça, ce qu'on a construit sur GeoGebra.